Parti. Bonjour à toutes et tous. Donc déjà, merci d'être si nombreux pour cette première rencontre entre pros de la saison 3. Donc ça fait déjà 3 ans qu'on propose ce type de format. C'est un format qui est gratuit, qu'on veut accessible au plus grand nombre. Mais juste pour information, c'est du travail. Nous, on a vraiment envie de le conserver en l'état. Et du coup, si vous aimez ce format-là, si vous voulez nous aider à le maintenir en la forme, vous pouvez nous aider d'un petit tips, d'un petit pourboire. On fait circuler un chapeau virtuel. Donc, je vais vous partager le lien dans 2 minutes. Donc voilà, 2 euros, 3 euros, c'est toujours une aide pour nous et ça nous permet de continuer à maintenir ce format en l'état. Et je vous remercie aussi d'être aussi nombreux pour, voilà, on teste cette année des formats sur des créneaux de déjeuner. Donc on va rester à une fréquence de 2 rendez-vous par mois sur des sujets ultra variés. On est en train de finaliser le programme. Donc Marine nous fait expérimenter du coup ce format là sur la pause déjeuner. Du coup, on est content de vous voir aussi nombreux sur ce créneau horaire parce que voilà, on va continuer à vous proposer ça sous cette forme-là. Marine, je ne m'éternise pas plus, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et nous parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vois que je suis impressionnée parce que vous êtes nombreux. Déjà, je voulais faire un petit clin d'œil à tous ceux qui regardent en replay, parce que moi, je regarde régulièrement en replay, puisque souvent, c'est le soir et que c'était des horaires qui étaient compliqués pour moi. Et voilà, et je suis ravie d'expérimenter la version déjeuner. Voilà. Donc là, je vais parler de mon métier. L'architecture. Et voilà, donc je vous partage déjà le diaporama que j'ai réalisé. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, nickel. Merci Marine. Voilà. Attendez que. Voilà. Et donc, déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Marine Béziat, je suis architecte des PLG et je fais partie de l'association Sciinform Ecobat qui met en place de l'accompagnement à l'autoconstruction. J'expliquerai ce que c'est des PLG dans la présentation. Je suis trésorière adjointe de l'association qui fait de la formation d'architectes à l'ILO Formation. Je fais partie aussi du réseau français de la construction paille. Je suis membre actif à la FEDAC et à Twiza. Je suis membre actif et même coopératrice de Twiza. Je suis arrivée à la démarche écologique de façon assez continue parce que j'ai une passion pour le bois et que c'est le bois qui m'a amenée à l'écologie. Et je suis venue petit à petit à transformer mes habitudes et tout ça petit à petit. Je dis ça parce que Twiza peut paraître très poussé, c'est vrai. Il y a des gens, côté de certains, moi je me sens au début de la démarche et que c'est pas grave puisque les choses évoluent petit à petit. Ça fait partie de rentrer dans la dimension écologique, c'est aussi une remise en cause permanente de ses effets, de ses éléments, de ses choix. Et moi, rien qu'en 2 ans, là, j'ai complètement évolué et j'ai construit ma maison moi-même. Et ça aurait été aujourd'hui, j'aurais fait d'autres choses différentes parce que, entre-temps, j'ai appris et j'ai connu d'autres choses, notamment grâce au réseau Twiza. Voilà, donc ça, c'est parler de moi. Maintenant, je vais parler de mon métier. Je vais aborder en 3 parties les compétences des architectes. Donc là, c'est vraiment l'architecte classique. Je vais parler aussi dans une deuxième partie des missions que l'on peut confier à l'architecte. Et j'ai eu pas mal de questions sur les prix. Donc ça, je vais détailler un petit peu là-dessus comment est rémunéré l'architecte. Et dans une troisième partie, je vais parler des droits et des devoirs de l'architecte et du maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, je vais l'aborder plus tard, mais entre autres, c'est lui. Et enfin, je parlerai aussi de ma démarche de l'accompagnement à l'autoconstruction et en quoi cet accompagnement est atypique par rapport à la démarche classique des architectes. Voilà. Donc là, j'attaque.
Alors déjà, la première question, c'est pourquoi aborder un architecte? Donc là, je me raccorde au titre. Et j'ai des clients qui viennent me voir et s'y sont pour plusieurs raisons. Déjà, il y en a beaucoup qui viennent me voir parce que c'est obligatoire. En achetant une maison au-dessus de 500, 150 mètres carrés, c'est obligatoire de faire appel à un architecte qui signe les permis. Il y a aussi des gens qui viennent pour apporter une plus-value à leur habitat. C'est-à-dire valoriser leur habitat, qu'elle soit pas exploiter son potentiel, donc ça c'est surtout en rénovation, pour exprimer vos envies, vos rêves et tout ça. Et donc nous, il y a aussi une part de psychologie dans mon métier où je vais identifier tout ce qui chez vous fait votre caractéristique. Et ça, la notion d'après, c'est l'idée, c'est de créer un projet unique qui vous ressemble. Sauf si vous faites quelque chose qui est à la vente, et à ce moment-là, on va faire une maison monsieur, madame, tout le monde. Mais si vraiment vous voulez quelque chose qui vous correspond et qui vous ressemble et qui correspond aussi à votre façon de vivre. Donc, j'ai une méthodologie pour identifier vos façons de vivre afin que des choses qui sont importantes pour vous soient représentées dans votre habitat. Pour y voir plus clair, parmi les normes, donc ça, c'est les gens qui sont un peu perdus sur la réglementation et tout ça, il ne faut pas hésiter à aller voir un architecte. Parce que vous n'avez pas le temps. En effet, il y a des personnes voilà, qui n'ont pas le temps de s'y confier. Et ça, c'est vrai que nous, ben, on passe la journée dessus, donc forcément, on gagne du temps pour vous. Pour obtenir des aides, donc ça, c'est par exemple quand on fait une prime rénov' ou voilà, où l'intervention d'un architecte peut appuyer votre projet, ou aussi au niveau des banques, en particulier pour l'autoconstruction, pour appuyer que votre projet il est sérieux et rassurer les banques. Et pour obtenir les garanties décennales, et en effet, il y a des gens qui me font suivre pour la garantie décennale qu'il y a derrière. Alors, déjà, on a parlé de termes, déjà j'en ai abordé plusieurs. Je vais revenir sur les termes fondamentaux et les autres, je les expliquerai au fur et à mesure. Déjà, le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le client, celui qui commence les travaux, qui règle les factures. C'est souvent le propriétaire du terrain, mais n'a ni les compétences techniques, ni le temps pour assurer des interventions avec les entreprises qui travaillent sur son projet de construction. Donc, il y a une notion quand on fait appel à un architecte. De compétences et de temps. Là-dessus, je reviendrai là-dessus parce que justement, sur l'accompagnement, ces éléments-là peuvent être modulables. Le maître d'œuvre. Souvent, on me demande, vous êtes architecte, mais vous êtes maître d'œuvre? Le maître d'œuvre est une personne physique ou morale chargée de veiller à l'exécution de la conformité des travaux sur le chantier. Donc, c'est vraiment la personne qui suit les travaux, le maître d'œuvre. Et l'architecte, est un maître d'œuvre qui revendiquant la maîtrise de l'ensemble des processus d'édification. À ce titre, ce maître d'œuvre assure la conception de l'édifice, donc ça c'est vraiment spécifique à l'architecte, et il contrôle la réalisation, et ça c'est spécifique au maître d'œuvre. Il y a des gens qui sont maîtres d'œuvre qui ne sont pas architectes. Donc ils ne peuvent pas concevoir des édifices de plus de 150 mètres carrés. Il y a une modularité où ils peuvent quand même dessiner des projets en dessous de 150 mètres carrés. Et les porteurs de projets, alors ça c'est une notion qui est développée pour l'accompagnement à l'autoconstruction et que je différencie vache du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. C'est le porteur de projet, c'est une personne non professionnelle qui souhaite s'impliquer dans son projet et qui possède certaines compétences techniques et qui a le temps d'assurer les interactions entre les entreprises ou la réalisation des travaux. Le porteur de projet pourrait être considéré comme maître d'œuvre d'un point de vue juridique. Il y a en effet une discussion sur le forum là, d'une personne qui a un litige et en fait, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était maître d'œuvre et que donc elle avait les responsabilités équivalentes d'un architecte ou d'une personne qui suit les travaux. Et voilà, par rapport à un artisan. Donc c'est important de savoir que quand vous êtes autoconstructeur, vous devenez maître d'œuvre et maître d'ouvrage à la fois. Alors, l'architecte. Déjà, c'est une profession réglementée. N'importe qui n'a pas le droit de dire qu'il est architecte. Il faut être, pour cela, inscrit à l'ordre des architectes, diplômé d'État. Donc, il y a soit la HMO, habilité à faire les ouvrages en son nom propre, soit DPLG, diplômé par le gouvernement. Il faut savoir que les DPLG, c'est les anciens,
Moi, je suis une des dernières BPHG puisque ce diplôme a été arrêté en 2007. C'est des diplômes reconnus par l'État français et il y a d'autres diplômes qui peuvent être reconnus par l'État français ou des diplômes étrangers qui sont reconnus. Les diplômes européens sont reconnus en France, que les Européens peuvent intervenir en France. Être assuré en décennale, c'est obligatoire pour être inscrit à l'Ordre des architectes et respecter la loi et le code déontologique. En fait, on a dans l'architecte un code déontologique qui nous engage à certaines responsabilités. Et ces responsabilités peuvent être déstabilisantes, surtout à certains moments. Je l'expliquerai plus tard. Alors, l'architecte, quelles sont ses compétences exactement? Souvent, on ne sait pas où s'arrête et où commencent les limites de prestation avec l'architecte. Alors, l'architecte, la seule compétence qui ne peut pas être délégué à quelqu'un d'autre, c'est la conception de projet. L'architecte qui signe un permis est obligé de concevoir lui-même son projet. Voilà. Là, quand j'accompagne, à ce moment-là, il faut que je participe à la conception sur l'accompagnement. Donc les ateliers justifient cette participation à l'accompagnement. Après, il y a l'assistance à maîtrise d'ouvrage, élaborer des programmes, préparer des missions nécessaires à l'exécution d'avant-projet et de projet. Alors, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est tout ce qui va faire le suivi technique et administratif du dossier. Il y a Jean-Luc, je bâtis ma maison, qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les particuliers, mais il n'est pas. Voilà, c'est une partie des missions de l'architecte, en fait, qui réalise. Dessinateur, CAO, DAO. Donc ça, c'est pareil, on peut faire appel à un dessinateur. Moi, ça m'arrive régulièrement de faire appel à un dessinateur pour déléguer ses compétences. Néanmoins, ça fait partie de mes compétences aussi. Réalisation d'un dossier ERP, édifice recevant du public. Donc ça, c'est toute la partie administrative des édifices recevant du public. C'est très particulier, je ne vais pas forcément l'aborder parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens qui soient concernés ici. La consultation des entreprises et la préparation des marchés de travaux, donc ça c'est la partie montage des chantiers. La maîtrise d'œuvre, la coordination et la direction des travaux et les compétences de conseil et d'expertise. Un architecte est capable d'aller faire un dossier au tribunal dans le cadre d'une expertise. Il y a des architectes. C'est une compétence qui est peut-être mal connue chez les architectes. Et il y a aussi les compétences de SPS, la coordination en matière de sécurité et de protection de santé, qui est obligatoire mais que l'on peut déléguer à une entreprise pendant le chantier. L'OPC, l'ordonnancement, le pilotage, la coordination des travaux. Voilà. Et après, il y a d'autres compétences qui sont, à mon avis, qui demandent des compétences, enfin, des formations complémentaires. L'aménagement et l'urbanisme, y compris l'élaboration de plans. Donc ça demande, voilà, c'est l'urbanisme. Alors, on parle bien des dossiers administratifs, à la différence de la création de lotissement, qui est aussi une compétence des architectes, qui est d'autant plus que la loi a changé dernièrement et que l'architecte doit signer les lotissements sur le permis de construire. La définition et le financement du projet, qui est aussi une compétence qui peut être déléguée à des économistes. Personnellement, je fais souvent appel à un économiste pour ça, mais ça fait partie des compétences de l'architecte. Il est juriste en ce qui concerne la construction. Il peut faire des rédactions de PV et des constats. Par exemple, quand on fait le panneau de chantier, on peut faire un constat d'architecte. C'est valable au sein d'un tribunal. Il faut le savoir parce que souvent on conseille un huissier, mais un constat d'architecte est aussi valable. L'enseignement et les audits énergétiques. Voilà. La seule conception, alors juste la conception, c'est spécifique à l'architecte. Néanmoins, des projets de moins de 150 mètres carrés peuvent être signés par d'autres personnes. Et donc, ce cas-là, voilà. Mais si je signe mon permis, qu'il soit en dessous de 150 mètres carrés ou au-dessus de 150 mètres carrés, je suis obligée d'avoir participé à la conception du projet. Alors, les compétences qui ne sont pas dans le domaine des compétences de l'architecte. Le bornage, le relevé topographique, ça c'est des spécifiques à un géomètre. Les études de sol, là on va faire appel à un BET géotechnique. Les études d'assainissement, là on va faire appel à un BET hydrogéologue. Les études structure, de l'existant et les calculs de descente de charge et de dimensionnement des poutres, ça on va faire appel à un BET structure.
l'étude de comportement thermique du projet. Ça, on va faire appel à un thermicien. Pour la réalisation des travaux, on fera appel à un artisan. Un architecte ne peut pas réaliser lui-même les travaux, même si parfois on le fait en autoconstruction. L'aménagement paysager des projets, ça, on fera appel à un paysagiste. Et la décoration intérieure du projet, et là, on peut faire appel à un architecte d'intérieur. Voilà, bon, la phrase d'en dessous, c'est, je l'ai dit à la diapo précédente. Donc là, je voulais faire une petite coupure pour savoir s'il y avait des questions. Et moi, j'ai repéré dans les questions qui m'ont été envoyées deux questions. Donc, je peux commencer par là. Une question de Béatrice. À partir de quelle surface doit-on intervenir pour un architecte et pourquoi? Donc ça, j'ai répondu dans... Et la surface habitable, projets agricoles sont compatibles surface. Alors, en concernant les sujets, les projets agricoles, la surface au-dessus de 150 mètres carrés, enfin, il y a des dérogations possibles. Enfin, la limite n'est pas à 150 mètres carrés, puisque les agriculteurs peuvent faire des permis sans architecte au-dessus de 150 mètres carrés. Et il y a Annick qui avait une division parcellaire sur un projet de trois maisons. Et Annick, je l'inviterai peut-être à me concerter en privé parce que c'est assez particulier son projet. Mais en effet, par contre, juste pour les compétences d'architecte, un architecte est tout à fait capable de la renseigner sur ce projet. Et d'ailleurs, je l'invite à contacter un architecte pour ça qui lui expliquera exactement les tenants et les aboutissants d'une division parcellaire pour un projet triple. Et je voulais Marine? savoir s'il y a d'autres questions. Ouais, Marine. Alors du coup, pour l'instant, on n'a pas encore de questions dans le chat, mais on est bien dans les temps et je te félicite. Merci déjà pour tous ces rappels utiles et indispensables, je pense. Et il y a Jean-Luc qui lève la main. Bonjour Marine. Petit complément par rapport à ce que tu as dit, parce que c'est un rôle essentiel d'architecte à mon sens. Ça va être quand on est dans le giron des architectes des bâtiments de France, ben souvent ça amène des discussions qui ne sont pas évidentes pour un quidam. Et là, le fait d'être chapeauté par un architecte, ça aide fameusement. Ah oui, c'est vrai. On parle le même langage puisqu'ils sont architectes aussi. Alors, la bonne chose, c'est qu'après d'être bagarré, normalement, la prochaine journée d'architecture, on va faire une visite à trois personnes avec l'architecte du bâtiment de France et moi. Donc, tu comptes faire, on se bagarre, mais après, ça va. Est-ce que quelqu'un a une question sur cette première partie avant qu'on avance? Marine a pas mal de choses à vous partager, donc si c'est OK, qu'il n'y a pas de fulgurance, on peut continuer et se laisser aussi un petit temps à la fin. Personne? 3, 2, 1, on repart. Alors, je continue. Alors là, je vais continuer sur les missions de l'architecte. Alors, j'ai divisé en deux phases. La ligne du haut est le déroulement classique des missions d'architecte. Dans un premier temps, vous allez concerter l'architecte qui va faire une faisabilité, une étude préalable. C'est là où il va peut-être dessiner deux, trois esquisses et tout ça, mais je vais le détailler après peut-être. Après, on a la conception du projet. Après, on a la préparation de chantier et les estimations, les devis des entreprises. Ensuite, on a la partie chantier et la partie réception. J'ai fait une seconde ligne parce que souvent, je m'aperçois qu'il est plus pour des dossiers de financement auprès des banques en particulier, il est plus judicieux d'introduire la préparation de chantier et les devis des entreprises avant de poser le permis de construire. Ce qui permet d'être certain du budget. Alors, quand on a un budget limité, c'est d'autant plus pertinent. Et ça permet de déposer le permis en étant serein sur le fait qu'on sait qu'on va réaliser ce projet, que ce projet va être réalisable puisque votre budget sera cohérent avec votre permis de construire. Et c'est toujours possible à ce moment-là, sur la deuxième version, de revenir sur le permis de construire si jamais on s'aperçoit que le budget est au-dessus de notre permis. Donc parfois, si on a du temps, ça vaut le coup d'attendre avant de déposer le permis. Donc les missions d'architecte. Donc la faisabilité, elle a un. Alors j'ai mis en haut en fait les livrables et en bas tous les éléments que je vais aborder pendant cette phase. Donc la faisabilité, on va avoir un livrable, c'est l'esquisse projet, et puis moi je fournis un rapport qui rappelle toutes les règles qui s'appliquent sur votre terrain. Mais sur cette étude, je vais identifier vos besoins, c'est-à-dire vos besoins qui sont
particulier à vous, les contraintes réglementaires, toute la réglementation qui va s'adapter pour que vous compreniez pourquoi on fasse certains choix et pourquoi certains choix ne sont pas faisables, et les contraintes financières. On va essayer de voir les contraintes financières. Si on s'aperçoit que le budget est un peu limite, on sera très attentif sur les phases suivantes pour rentrer dans votre enveloppe budgétaire. La deuxième phase, c'est la conception de projet. Donc, le livrable de ça, c'est le permis de construire ou l'équivalent. Quand on n'a pas besoin de permis de construire, ça va être un dossier permettant de voir votre projet, un plan, en fait. Donc, la conception. En fait, on va à partir des besoins qui ont été identifiés et de la réglementation, on va définir un concept. Et ce concept va nous permettre de réaliser une implantation, un plan, un volume et les positions des ouvertures. Et on va aussi définir le choix des matériaux, des façades. Est-ce que vous voulez du bois? Est-ce que vous voulez de l'enduit? Est-ce que vous voulez de la paille? Est-ce que vous voulez, voilà. Et en fait, chaque matériau va impliquer une conception différente. Moi, je suis très technique sur les matériaux et j'adore en fait ça. Et c'est vrai que quand je conçois un projet paille, eh ben, je vais faire des débords de toit un peu plus longs pour protéger la paille, pour pas qu'il y ait des remontées, surtout s'il y a de la neige, on est dans une zone climatique de neige. On va avoir un bardage bois pour que, pareil, je vais essayer de travailler les toits pour que le bardage bois soit protégé. Vous voulez de l'enduit, ben on va essayer de trouver des supports de matériaux. Si vous voulez une ossature bois, quels matériaux on peut utiliser pour que l'enduit soit le plus durable dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à cette phase-là qu'on définit ça. Et plus tôt on connaît votre mode constructif, plus tôt on arrivera à cibler votre projet. Et l'idée, c'est d'avoir un permis de construire validé à la fin de cette phase de conception. Il y a deux éléments qui ne sont pas dans les compétences d'architecte, mais qui sont à faire à cette phase de projet. C'est l'étude thermique, puisqu'en fait, le permis de construire est soumis à la RE 2020. Et pour ça, il faut faire un rapport d'étude thermique BBE. Pour la rénovation, ce n'est pas obligatoire. Par contre, moi, je vous le conseille fortement. Pourquoi? Parce que le comportement thermique de la maison, c'est la base de tout pour être bien chez soi. Et que introduire une étude thermodynamique au moment de la conception, ça peut permettre bah, d'orienter certaines conceptions. Parfois, on a des idées préconçues et on fait totalement fausse route. C'est mieux de s'en apercevoir dès la conception que de s'en apercevoir au moment du chantier. Et quand on a un assainissement individuel, il y a aussi l'étude hydrogéologique qui est une pièce obligatoire du permis aussi. Donc, je n'ai pas parlé d'études de sol. Et ce n'est pas la même chose, souvent c'est confondu. L'étude hydrogéologique, c'est le comportement du terrain par rapport aux infiltrations d'eau. Et c'est en fait, on vient vérifier si on peut infiltrer l'eau et si le terrain est capable de recevoir un assainissement individuel. Moi, je suis dans une région hyper argileuse et clairement, l'eau, on a 9 fois sur 10, on n'arrive pas à l'infiltrer. Donc, on va l'envoyer dans un fossé. Et ici, il y a une tolérance sur les fossés. Voilà. Sur la phase suivante, donc là, c'est la phase projet, préparation de chantier. Alors, je reviens là. Celle-ci, je vais essayer de. J'ai du mal parfois, souvent avec les particuliers à expliquer ce que c'est que cette phase. Elle est extrêmement négligée. Et pourtant, c'est celle qui fait que le chantier se déroulera bien ou se déroulera mal. En fait, j'aime bien dire, c'est cette phase. Elle est très longue et très fastidieuse et pas forcément très rigolote. Et pourtant, c'est celle qui fait que bah, si tout est bien prévu, on ne verra pas votre boulot. On ne s'en rendra pas compte. Par contre, si c'est mal prévu, et ben là, on s'apercevra de toutes les petites erreurs et elles se verront. Et en fait, le projet le plus parfait, c'est celui qui a été bien conçu dans les détails à l'avance du projet. Souvent, des personnes vont faire des devis sur un permis de construire ou vont demander des chiffrages aux entreprises sur un permis de construire. Le permis de construire, c'est un dossier administratif qui s'adresse à l'administration. Et ce n'est pas un dossier d'exécution pour les travaux. Le permis de construire, quand le projet est simple, on a quatre murs et un toit à double pente,
C'est des techniques habituelles et du coup, les entreprises arrivent à déduire les travaux. Mais dès qu'on est dans des détails un peu plus complexes, les entreprises vont soit interpréter les plans, soit déduire des travaux qui ne sont pas adaptés, soit oublier certains travaux. Et c'est là où ça peut être une catastrophe au moment du chantier, parce que si on a oublié de retourner un isolant sur un tableau, ou si on a oublié le retour de tableau sur une menuiserie, eh ben, on va avoir ce retour de tableau qui va dépasser sur la menuiserie. Et mince, on ne peut plus ouvrir la fenêtre. C'est des détails, c'est tout bête. C'est quelque chose, c'est tellement bête qu'on n'y pense pas. Donc, le livrable sur cette page, c'est un dossier de consultation des entreprises qui se constitue d'un CCTP, c'est-à-dire un descriptif des travaux. L'autre jour, j'ai rencontré un accompagnateur de projet qui lui faisait carrément des mises en détail en 3D qui étaient absolument super pour l'accompagnement. Il y a un CCAP, donc ça, c'est plus, ça régit la réglementation de la relation entre vous et l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise prend du retard? Parce que si l'entreprise prend du retard, vous allez avoir toutes les autres entreprises qui vont vous tourner sur le dos, en vous disant, oui, mais moi, j'avais prévu ça dans mon planning, mais là, je ne peux plus intervenir parce que le maçon a mis 15 jours de plus et que moi, je suis sur un autre chantier. Et là, on se prend 2 mois de retard parce que le second homme ne peut pas intervenir avant 2 mois. Donc, un retard de chantier, c'est bien de le réglementer. Il y a aussi les choses en cas de litige. Comment on éloigne une personne qui n'est pas en phase avec votre projet. Voilà. Ou tout simplement, comment on se couvre si une entreprise a mal rédigé son devis. Voilà. Donc souvent, c'est des documents qui servent en cas de problème. Bien sûr, quand tout va bien, on ne s'en sert pas. Ça reste dans un placard et ça prend la poussière. Mais en cas de problème, ça peut être utile. Et après, les deux autres, c'est les détails de projet. Donc ça, j'en ai parlé là, où moi, je cherche à évoluer pour que ce soit le plus accessible et le plus compréhensible possible. Et la liste des travaux, elle est maîtrisée. Et ça peut être aussi co-réalisé avec un économiste, c'est-à-dire les détails de travaux. On va décrire les travaux et on va faire les maîtrises de tous les matériaux qu'il y a besoin. Ça, c'est super parce que quand on demande un devis et que l'entreprise a déjà les maîtrises, tous les détails de travaux, eh ben, on est sûr qu'elle fera beaucoup moins d'erreurs sur le devis, qu'elle n'oubliera pas une prestation qui pourrait poser problème plus tard. Donc, si vous ne le faites pas, attention à garder une marge de manœuvre sur votre budget, parce que forcément, moins c'est cadré et plus vous avez un risque d'erreur. Dans cette phase, il y a deux éléments qui se font qui sont hors des compétences des architectes. C'est l'étude de sol, donc les études des fondations. Alors ça, c'est pareil, moi je suis très habituée à ma zone qui est en argileux, donc forcément, moi, l'étude de sol, elle est quasi obligatoire. Et ce qui est très rageant, c'est que souvent, ils prennent des parapluies, des parasols, et que même les maçons râlent beaucoup contre cette étude de sol. Je suis désolée, j'espère qu'il n'y a pas de géotechnicien, parce que, comment dire, il y a tellement de parasols que finalement, c'est le maçon qui prend toutes les responsabilités. Mais elle est obligatoire et elle permet de couvrir en décennale. Quand c'est mon chantier chez moi, par exemple, j'avais une étude de sol qui était quasi impossible à respecter. On a fait des sondages avec le maçon et on allait vérifier les sols petit à petit. De toute façon, le maçon fait toujours une vérification visuelle. C'est une façon de voir aussi. Voilà. Un maçon va de toute façon vérifier vos sols en visuel et vous alerter s'il y a une poche d'argile, par exemple, sur votre bâtiment. Et l'étude structure. Donc là, ça va être les dimensionnements des poutres et tout ça. Et ça, c'est très important de la faire à cette phase-là pour la croiser avec votre projet de conception. Rien n'est pire que d'avoir une poutre qui arrive à un endroit où on devait passer sa VMC double feu. Et là, de croiser les informations et de croiser le plan de la double flux avec le plan de structure, eh bien, ça peut vous libérer quelque chose. Et ça, c'est pareil. Ça, on peut le pallier au moment en faisant dériver la double flux à un autre endroit, en négociant une double poutre au lieu d'avoir une simple poutre,
Ça dépend de, du projet. À cette phase de conception, c'est que du dessin. Et reprendre un dessin et perdre 15 jours sur un dessin, c'est pas grave. S'en rendre compte au moment du chantier et avoir un énorme passage de poutre qui descend et d'avoir un endroit où on ne peut plus passer, on se colle la tête tous les jours, ça sera toute la vie. Et la dernière phase, c'est la phase de chantier. Donc là, moi, je fais des réunions hebdomadaires de chantier. Je vérifie les factures, c'est-à-dire je contrôle les factures et je valide les factures en fonction de la réalisation des travaux vraiment effectués. Et je vérifie la conformité des travaux. Donc les travaux correspondent bien à tout ce qui a été prévu dans les phases précédentes. Si l'artisan a oublié de faire quelque chose, on va le rappeler, on va voir ensemble. C'est aussi une phase. Alors là, c'est le côté très directif de l'architecte. Moi, dans mon chantier, c'est aussi le moment où bon, ben, y a ce détail, ah mince, il y a surtout en rénovation, ah mince, et on va essayer d'être participatif. Moi, je choisis souvent des entreprises qui sont participatives dans le chantier et qui sont force de proposition. On peut en discuter. Et c'est pendant les réunions de chantier qu'on peut discuter, voilà. Ou au mieux, ça c'est encore mieux, c'est si on l'a vu, on en a discuté avant, au moment de la conception de projet, donc la phase avant, et qu'on l'a bien intégré et juste vérifié que tout se passe correctement. Et là, c'est génial parce qu'on n'a plus rien à faire. Et ça, j'adore. Et oui, un chantier préparé, ça, en fait, c'est moi, au niveau du suivi de chantier, je suis pratiquement inutile, mais parce que les phases avant ont été bien faites. Je ne devrais pas dire ça parce que on va m'écarter. Voilà, mais c'est juste la satisfaction d'un travail bien abouti sur toutes les phases précédentes. Et les deux choses qui sont à faire à ce moment-là, qui sont plus, voilà, c'est la déclaration d'ouverture de chantier qui est à faire au niveau de la mairie et la mise en place d'un panneau de chantier pendant tout le chantier avec des textes obligatoires. Et enfin, la passe de réception où on fait le PV de réception de chantier. Donc ça, c'est un document juridique qui a une valeur au tribunal. Et il faut faire aussi la déclaration de fin de chantier et le test à étanchéité à l'air. Et la conformité d'assainissement, j'ai oublié. J'ai eu pas mal de questions sur les prix de l'architecte. L'architecte, il peut être rémunéré de plusieurs façons. Il peut être rémunéré au forfait. Donc ça, c'est un architecte qui fait, voilà, qui dit, par exemple, cette mission est au forfait. Au temps passé, c'est-à-dire que là, souvent, c'est surtout les très petits projets où je sais que je vais passer 2 jours, 3 jours dessus, eh bien, je vous facture la journée de travail. Et la plus classique, la méthode la plus classique, qui peut être forfaitisée, moi je la forfaitise toujours, c'est au pourcentage du montant des travaux. Et ça, le pourcentage, il peut varier entre 8 à 14 %. Souvent, ça dépend de la taille du projet. Des projets très importants, on sera autour des. Voilà, et du neuf très important, ça sera autour des 8 %. De la rénovation, ce sera plutôt autour des 10 %. Et après, 14 %, c'est vraiment quand c'est des tout petits projets. C'est pour ça que les architectes d'intérieur sont souvent à 14 %, parce que c'est souvent des très petits projets. Et que du coup, il y a au bout d'un moment, ben, quand on est en dessous d'une certaine somme, on est à peine rentable. Donc, il faut, voilà, puisqu'on va avoir la même quantité de travail et on va devoir être moins payé. Donc, ça, c'est notre jargon à nous. Et j'ai une question aussi. Alors, quand je fais au pourcentage du travaux, une fois que j'ai calculé mon 8 à 10 %, elle est répartie en trois phases. Ça, c'est les préconisations de l'ordre. Certains architectes font varier ce pourcentage en fonction du besoin de certains projets. Il y a des projets qui sont moins importants en conception, mais plus importants en préparation de chantier. Dans ce cas-là, on fait varier les curseurs. Donc les préconisations de l'ordre, c'est la phase conception et faisabilité, ça fait 30 % des 10 % des montants des travaux. Donc ça fait un tiers. Un petit peu moins. La phase pro DCE, c'est 30 % aussi. Et la phase chantier et réception, c'est 40 %. Moi, quand je facture ma décennale, c'est ça. C'est comme ça qu'ils me facturent en proportion. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on ne me demande qu'un permis, dans ce cas-là, je vais faire que les deux premières phases et je calculerai la décennale que sur le taux, la partie
permis. Si on me demande un permis et un DCE, à ce moment-là, voilà, et je vais déduire la partie chantier et ainsi de suite. Toutes les phases, enfin, on peut s'arrêter au permis, on peut s'arrêter au DCE, on peut s'arrêter en chantier. Donc, on peut faire qu'une mission. Par contre, on ne peut pas me demander de faire un chantier si je n'ai pas fait la conception et la préparation de chantier. Voilà, elles sont forcément chronologiques. On peut s'arrêter quand on veut, mais il y a quand même une chronologie à respecter. Et sur les livrables, j'en ai parlé au fur et à mesure. Je vous laisse, voilà, je ne sais pas si vous avez lu la diapositive. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, puisque voilà, c'est souvent, quand vous avez votre contrat d'architecte, c'est souvent dit dans votre contrat le livrable correspondant à chaque phase. Marine, je profite juste d'une incise. Ah bah tiens, c'est animé. Pour dire à tout le monde que, comme tu me l'avais dit en introduction, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais tu rendras accessible, c'est ça, ce document, ce PowerPoint? Oui. Oui, ça marche. S'il y en a besoin, après en regardant la vidéo, Non. le replay, mais s'il y en a besoin, oui, je peux le rendre accessible. Parole. Et juste, il y avait une question, pardon, de Gatien, mais je pense que c'est des questions que tu vas aborder, mais qui demandait si tu intervenais dans toute la France. Alors, en architecture, maîtrise d'œuvre, le suivi de chantier, j'estime qu'on ne peut pas avoir une démarche écologique et faire du suivi de chantier à l'autre bout de la France. Donc, en fait, quand il y a du suivi de chantier, les déplacements deviendraient contradictoires avec mon éthique. Donc, les suivis de chantier, c'est à une demi-heure autour de moi. Donc, si je suis vraiment maître d'œuvre, c'est à une demi-heure de voiture autour de moi. Voilà, je peux 3 quarts d'heure vraiment sur certains projets. Voilà, après ça commence à être compliqué, étant donné que si je suis maître d'œuvre, je veux pouvoir intervenir rapidement si jamais il y a un souci sur le chantier. Pour le permis, si je fais de la conception maîtrise d'œuvre classique, c'est-à-dire pas d'accompagnement, j'ai besoin d'aller voir pour engager ma responsabilité sur la conception du projet, puisque c'est moi qui le réalise si je suis maître d'œuvre. Sur le DCE, là, ça peut carrément se faire à distance, ce n'est pas le problème. Là, je fais un permis de construire un petit peu loin, je me suis déplacée une fois en train et après, j'ai tout fait moi. Il y a la dimension accompagnement. Et là, l'accompagnement, par contre, je le fais à distance et en visio. Parce que l'accompagnement, c'est vraiment, j'en parlerai à la fin, j'en parlerai à la fin. Mais la démarche est différente. C'est vous qui faites. Et moi, je viens que rapporter mes conseils d'architecte. Donc, je me déplace que s'il y a besoin. Et pour rappel, tu es à Grisolles en Tarn-et-Garonne, c'est ça? Voilà, je suis au Toulouse Nord, entre Montauban et Toulouse. Voilà, donc ça dépend vraiment de la phase et de la demande de projet. Voilà, c'est vrai qu'en maîtrise d'œuvre, la prestation d'architecte classique, la distance, c'est un peu problématique. Moi, j'avais repéré quelques questions. Une question d'Isabelle. Quels sont les différents services que propose l'architecte? Est-on obligé de tout confier ou peut-on faire appel à lui pour seulement une partie du projet? Donc ça, j'ai répondu avant. Pascal, quel type de contrat est-il possible de mettre en place avec un architecte? Donc là, il faut faire une convention en fait d'architecte. Et quelles sont les obligations de résultat d'architecte? Comment est-ce mesuré? Donc ça, c'est pareil sur la liste que de ma diapositive précédente que j'avais adaptée justement suite à cette question. Il est répondu sur les livrables et les livrables correspondent à des phases et donc à une tarification. Bon, pareil, ça c'était voilà. Marie qui dit quelles sont les limites de l'architecte dans le projet rénovation extension. En fait, l'architecte, il est absolument compétent pour suivre un projet de rénovation et d'extension. C'est même notre cheval de bataille, puisque sur ces projets-là, la pertinence de faire un projet sur mesure est totalement adaptée. Voilà.
L'architecte fait des prestations classiques et limite, nous en architecte, on fait beaucoup plus de rénovation et d'extension que de projets de maison individuelle, parce que là, on est en concurrence avec les constructeurs. Et les constructeurs sont carrément meilleurs que nous en commercialement parlant, on va dire. Ils savent vous vendre un projet et nous, on ne sait pas faire. Quel rôle pour un architecte dans un projet d'autorénovation écologique? Ça s'appelle l'accompagnement. Et peut-être je l'aborderai à la fin. Oui, j'ai mis cette question, mais je pense qu'elle aurait pu être mise à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, main levée, on se donne encore comme tout à l'heure. Si vous avez votre caméra allumée, levez la main. Sinon, vous pouvez utiliser les réactions en bas. Et s'il n'y a pas de scrupules, on peut garder les questions pour la fin. Pareil, 5, 4, 3, 2, 1, on repart. Allez, alors maintenant je vais parler de ce qui est chiant. Pardon. Excusez-moi pour mon vocabulaire, en plus ça va être en ligne. Voilà. Excusez-moi. Mais non, ça va être bien. Alors déjà, les devoirs de l'architecte, les responsabilités de l'architecte. Déjà, dans un projet, l'architecte a le devoir de vous écouter, d'écouter vos besoins, vos modes de vie et votre façon de travailler et d'envisager les évolutions possibles du lieu. Aujourd'hui, vous avez deux enfants en bas âge, vous allez avoir des enfants qui vont vous envahir dans le salon, vous aurez peut-être aujourd'hui besoin d'un salon, voilà. Et puis, quand ils seront ados, ils vont être dans la chambre. Et finalement, ils vont rester en permanence sur leur lit. Et finalement, la chambre où il y avait plein de jouets, elle va être complètement vide à l'adolescence. Ou d'autres vont dire justement, ah ben non, ils passent leur temps dans leur chambre, donc moi, pour mes enfants, j'aimerais avoir un espace plus grand. Où ils vont avoir besoin de se mettre à l'écart et ils vont avoir besoin d'un salon secondaire. Tout ça, c'est des éléments qui font avec l'écoute et en fait, de faire voilà. Donc on va rentrer dans votre intimité, mais c'est pas contre vous, c'est juste pour comprendre qu'est-ce qui vous caractérise vous par rapport aux autres. Adapter la conception à l'environnement. C'est-à-dire déjà l'orientation nord-sud, est-ouest. Quand on fait de l'écologie, c'est absolument évident. Et vous aider à transformer vos idées en réalité. Donc ça, c'est le rêve. Tirer le meilleur profit du site. OK, on a le sud, mais le sud, la vue, elle n'est pas belle. Comment on va essayer de faire pour qu'on garde le captage des apports solaires? Tout en orientant la vue vers le nord parce que ou vers l'ouest, parce que c'est là que c'est beau. Donc, optimiser son orientation, adapter l'architecture de façon patrimoniale et de façon des architectes des bâtiments de France. Il y a des spécificités locales, des identités locales. Si vous faites une maison provençale à Rennes, ça va choquer. Donc, essayer de trouver une architecture qui soit cohérente avec le lieu, ou pas, mais que ça soit la démarche soit assumée dans ce cas-là. Et soit connue, enfin, soit identifiée. On veut faire un bâtiment hyper moderne, contemporain. Ça devient un objet architectural à part entière. Il faut l'assumer, et pour ça, il faut en être conscient. Les choix techniques des matériaux de construction, donc ça par exemple, quand on utilise de la paille, pour moi, on ne fait pas le même projet que quand on utilise du parpaing. Et quand on utilise de l'ossature bois, enfin, ce ne sera pas la même chose non plus. De l'ossature bois isolée de façon plus traditionnelle, c'est-à-dire avec des matériaux biosourcés comme la fibre de bois. Et aussi, et maintenant c'est demandé, c'est obligatoire de limiter au maximum les futures consommations énergétiques. Et ça, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, avec la RE 2020, la conception du projet est directement liée à la réglementation. On aura plus de facilité à rentrer dans les normes de la RE 2020 avec une conception de maison compacte, bien orientée, qu'une maison avec plein de petits éléments qui partent dans tous les sens. Et avec une orientation nord. Et là, autant avec la RT 2012, on pouvait pallier à ça en épaississant les isolants, en mettant des menuiseries un peu meilleure qualité. Maintenant, c'est plus possible avec l'aéro 2020. Et on peut aussi limiter les frais d'entretien.
Si une personne n'a pas envie d'entretenir son bardage bois, on va chercher un bardage bois qui ne demande pas d'entretien ou assumer la vie du bois. Voilà, je parle du bois parce que c'est souvent ce qu'on me sort aussi dans le sud-ouest où c'est la culture, c'est la brique rouge. Votre architecte verra avec vous à ce que votre projet s'accorde avec le site et qu'il accueillera. Et c'est important, avec vous, on travaille ensemble. C'est pas, oui, on va faire un projet pour vous. Mais pour moi, si vous n'êtes pas impliqué dans la conception, vous n'aurez pas de projet qui vous ressemble. L'architecte est un chef d'orchestre du projet. Donc là, voilà. En tout cas, il faut choisir son chef d'orchestre, son référent. Moi, je prêche pour ma paroisse et ça va être l'architecte. Mais voilà, il y a d'autres. Mais après, une fois qu'on a son référent, il faut toujours aller vers lui pour avancer sur le projet. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire la conception, l'identification de vos besoins, on va identifier des éléments. Si pendant que vous faites votre consultation des entreprises, vous oubliez complètement la personne qui vous a aidé dans la conception, eh bien, ces éléments peuvent être oubliés, omis, et vous en rendez pas compte parce que vous avez d'autres soucis en tête à ce moment-là. Et d'avoir une personne référente qui vous rappelle, mais non, mais là, vous avez votre souhait de base, c'était d'avoir des plafonds cathédrales dans votre, pour pas avoir des plafonds plats dans votre salon. C'était un élément important. Ne l'oubliez pas au moment du choix des entreprises et de la consultation. Sauf que si la personne, il n'y a pas de mauvais conseil, mais si la personne n'est pas consciente de vos besoins, elle fera pas forcément le conseil qui sera le plus en phase avec vos besoins. Et c'est bien ça que je veux dire. C'est souvent, les conseils sont très avisés et sont très bons. Par contre, parfois, on oublie que vous, ben, vous êtes particulier et que vous, ce conseil-là n'est pas adapté à vous parce que ce conseil-là, c'est pour monsieur et madame tout le monde et ce n'est pas pour vous. Voilà pourquoi il faut avoir un chef d'orchestre commun à toutes les phases de projet. Et vous défendre. Il faut savoir que l'architecte, il contractualise directement avec vous et non pas avec l'entreprise par rapport à notre sérieux concurrent, les constructeurs. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de lien contractuel et on n'a pas le droit d'avoir de lien contractuel avec les entreprises. Ce qui fait que quand il y a un enjeu qui vous défend et voilà, on va vous défendre. Et même si ça coûte plus cher à l'entreprise, on va vous défendre. Si on avait un contrat directement avec les entreprises, ça serait plus compliqué de vous défendre parce que nous, on perdrait de l'argent au passage. Après, il y a des obligations qui sont plus réglementaires. L'obligation d'assurance, donc j'en avais parlé. On doit être assuré en responsabilité décennale si on est inscrit à l'ordre des architectes. L'obligation de surveillance. On a l'obligation de surveiller la conformité des travaux. Si un chantier est mal réalisé ou qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas au permis de construire, on peut être responsable de la différence et du budget. De réalisation de la conformité de architecturale. Donc, on est responsable aussi de la facturation. On ne peut pas accepter des augmentations de travaux qui engendrent un budget supplémentaire sans l'accord du maître d'ouvrage, donc sans votre accord. Devoir d'information, de conseil. Alors, ça, je vais m'attarder un peu là-dessus parce que j'entends souvent des architectes qui disent, oh, il y a une personne, un porteur de projet là, qui m'a appelé. Il me dit qu'il a 100 000 euros pour un projet de 100 mètres carrés. Et quand je lui dis que le budget, il n'est pas bon, voilà, il ne continue pas avec nous. On est obligé de vous signaler qu'avec 100 000 euros pour 100 mètres carrés, vous allez être un peu short en budget. On est obligé de vous le dire. Après, si vous êtes autoconstructeur, forcément, il y a un curseur, mais qui n'est pas quantifiable pour nous.
qui va être compliqué à quantifier. Il y a un curseur qui va varier. Donc, en effet, votre budget il sera moins élevé parce que vous participez, vous prenez la place des artisans dans les mains. Néanmoins, nous, on doit vous signaler les choses. On doit être sûr que vous êtes conscient que votre budget, il n'est pas énorme et que si vous êtes en autoconstruction, vous prenez la partie manœuvre, mais que voilà, qu'il faudra contrôler votre budget. Et ce n'est pas contre vous qu'on dit ça, c'est parce qu'on est obligé de vous dire. Vous êtes aussi considéré, quand vous faites un contrat d'architecte, comme consommateur. Et on a des devoirs de vous informer sur les droits et les devoirs du consommateur, et notamment sur les prêts bancaires. Et puis, vous avez un délai de rétractation d'une quinzaine de 7 jours ou de 15 jours, je ne sais plus. Si vous signez un contrat d'architecte et puis que vous réfléchissez, et puis mince, non, je ne veux pas signer avec lui, vous avez 15 jours, je crois, pour vous rétracter. Donc ça, il doit vous informer aussi. Ça fait partie du code de la consommation. Et après, on doit donner aussi votre avis sur la faisabilité technique. Donc si vous êtes hors contexte, par exemple, moi j'avais là un earthship avec des pneus sur un terrain argileux. Moi, j'ai été obligée de leur signaler. Attention, des pneus sur un terrain argileux, il faudra qu'on soit entouré d'entreprises compétentes géotechniciennes qui nous permettent de valider que vos pneus tiennent. Après, si vous voulez faire le chantier vous-même, vous prenez cette responsabilité. Nous, on doit s'assurer que vous êtes conscient qu'il y a peut-être un risque. Voilà. Après, on a un devoir de respect envers les confrères. S'il y a une mésentente entre vous et un architecte et que vous voulez faire appel à un autre architecte, nous, on est obligé de s'assurer que l'autre architecte a bien été payé et qu'il nous lègue les droits sur la conception. Et c'est important parce que vous n'avez pas le droit de changer d'architecte si vous n'avez pas payé le premier ou si vous n'êtes pas en commun accord. Et moi, je n'ai pas le droit de reprendre un projet en permis modificatif, par exemple, d'un autre architecte sans m'être assuré qu'il a bien été payé dans ce qui a été convenu avec lui. Et sans avoir obtenu les droits de modification de projet. Les seuls éléments qui peuvent être, c'est si on arrive à prouver à l'ordre des architectes que l'autre architecte ne joue pas le jeu, ou si il est mort. Donc voilà. Sinon, on a un devoir de respect les uns envers les autres. On n'a pas le droit non plus de critiquer les autres architectes. Voilà. Et en cas d'augmentation de budget, donc ça je l'avais déjà dit, on n'a pas le droit de prendre la décision d'augmenter votre budget sans que vous ayez un accord préalable. Normalement, on doit même faire signer un avenant. Les obligations du maître d'ouvrage, ça c'est ce qui vous incombe à vous. Alors déjà, l'architecture est un art. Le maître d'ouvrage ne peut pas modifier le projet sans l'accord de l'architecte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai modifié, c'est comme si vous modifiez une statue dans la rue. C'est bête, mais c'est le cas. Donc, quand vous faites un chantier et que vous modifiez votre projet et qu'il y a un permis modificatif, comme je l'expliquais tout à l'heure, un autre architecte ne peut pas reprendre le permis modificatif. Et moi, je peux dire, ben là, votre modification, elle est contraire à mon code déontologique. Je ne suis pas d'accord. On peut le dire. Après, ça m'est jamais arrivé, hein. Donc, même si je n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées dans le contrat et s'assurer que les documents exécutés et les ouvrages en cours de réalisation respectent le dispositif du projet architectural élaboré par l'architecte. Si vous modifiez les hauteurs, par exemple, vous faites votre chantier vous-même, vous modifiez les hauteurs, que l'architecte vous l'avez pas mis au courant. Et que le PLU, on était déjà à la limite, et que le PLU vous empêche de passer au-dessus des 6 mètres et que vous êtes passé aux 6 mètres 50, l'architecte ne peut pas être tenu responsable du fait que vous êtes passé à 6 mètres 50. C'est, voilà. Donc attention quand on change des règles et de bien vérifier que c'est conforme à la réglementation. Parce que là, passer de 6 mètres à 6 mètres 50, vous êtes hors réglementation, votre maison, vous pouvez la démolir. Un tribunal peut vous faire démolir. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui m'a appelé paniquée parce qu'il a construit, il a mis son parpaing du mauvais côté. Alors là, c'était la partie fondation.
son parpaing du mauvais côté de la limite. Il y avait une obligation d'être à 3 mètres de la limite de propriété. Il était donc du coup à 2,80 m. Le voisin a porté plainte. Il est obligé de démolir parce qu'il ne respecte pas le PLU. Et si c'est lui qui a fait le chantier, il est responsable. Si l'architecte a suivi le chantier et a laissé passer ça, c'est l'architecte qui est responsable parce qu'il n'a pas fait son devoir de contrôle. L'obligation d'information. En amont, le MNAN doit fournir les études juridiques, les études antérieures. Donc, si vous avez fait un autre permis et tout ça, vous devez informer l'architecte. Les données techniques nécessaires à la réalisation de l'opération, si vous avez déjà fait les études de sol, les études de structure. Souscrire une assurance dommage-ouvrage. Alors là, je mets un petit bémol parce que moi, en fait, on a l'obligation de vous informer. L'assurance dommage-ouvrage, ouais, ça va être diffusé. C'est obligatoire. l'assurance dommage-ouvrage, voilà. C'est un sujet, voilà. Je ne suis pas forcément en face. Informer l'architecte sur ses contraintes, sur les programmes et le budget. Donc ça, vous devez dire, si vous avez un budget de 200 000 euros, vous devez le dire à l'architecte. Quand on demande, parfois ça déstabilise des gens qui ont un petit peu de mal à dire leur budget. C'est important de dire à l'architecte votre budget, parce que lui, il pourra peut-être orienter ou rectifier certaines prestations. Sinon, on fait une faisabilité, une estimation, et on voit si c'est en phase avec votre budget. Et l'obligation de communication, en fait, vous avez l'obligation d'approuver les pièces pour que l'architecte puisse continuer sa mission. Vous ne pouvez pas dire, voilà, et laisser en silence pendant 15 jours l'architecte sans le tenir, enfin 15 jours. Ça va être de 2 mois à 3 mois, voilà, mais de rien dire, et puis tout d'un coup, voilà, il faut informer. Si vous voulez mettre en suspens votre projet pendant une phase, il faut l'informer aussi. En clair, une bonne communication permet une bonne relation entre l'architecte et le maître d'ouvrage. Marine, juste pour info, on arrive au bout de la première heure qu'on s'était donnée. Je sais que tu as encore pas mal de points à aborder, notamment sur ta démarche, mais on est encore dans les temps, donc tranquille. Ok, bah j'ai presque fini là. Il me reste deux, trois diapositives. Alors, les obligations. Donc, le budget. Le maître d'ouvrage peut suspendre une mission d'architecte pour des questions de budget. Si jamais ça dépasse, c'est une clause qui peut me permettre de suspendre l'architecte. Ça, c'est vraiment. La confiance. Le maître d'ouvrage doit faire confiance à son architecte. Si le maître d'ouvrage, moi ça m'est arrivé dernièrement, commence à toujours contredire l'architecte et à le mettre, on peut nous suspendre le contrat avec lui en disant qu'il y a une perte de confiance. Alors bien sûr, il faut des preuves pour ça. On ne peut pas suspendre, nous on n'a pas le droit de suspendre un contrat sans raison. Mais si voilà, enfin, on ne peut plus travailler parce qu'on est sans arrêt contrôlé, si on est sans arrêt contredit. Si on est sans arrêt sur des notions techniques, ça devient une clause de perte de confiance. Donc, il faut faire confiance à son architecte. Si vous ne faites pas confiance, il ne faut pas continuer avec lui. Et c'est bien pour vous comme pour lui. L'immixtion. Alors, l'immixtion, je voulais en parler parce que justement, quand on est en autoconstruction, c'est un souci. Et j'aborderai pour voir. Après, c'est un souci parce que le contrat classique, le maître d'ouvrage ne peut pas intervenir directement auprès des entreprises et bureaux d'études. Il doit toujours passer par l'intermédiaire de l'architecte. C'est logique. Si jamais je ne suis pas au courant, enfin c'est voilà, si jamais on modifie le projet et que je ne suis pas au courant, comment voulez-vous que je puisse suivre un projet? Donc c'est logique ça. Sauf que enfin quand il y a de l'autoconstruction, c'est plus compliqué. Et en plus, si vous prenez une décision, par exemple, de décaler une poutre directement avec le charpentier, parce que voilà, c'était peut-être pas la peine de prévenir l'architecte pour ça, et que finalement, ben, on a un plancher qui tombe mal, et qu'on avait calciné son plancher en haut, et qu'il tombe à côté de la poutre, et qu'il faut rallonger de 20 cm, tous les planchers, enfin, voilà, ça peut être un problème. Ça peut être un problème de modifier un projet, un élément. Si, là, en décalant la poutre,
2 ans après, la maison, le plancher s'écroule parce qu'on a déclenché la poutre et que vous l'avez fait directement, la décennale de l'architecte ne jouera pas. Parce que l'architecte dira, ben non, cette décision, ce n'est pas moi qui l'ai prise, c'est le maître d'ouvrage qui l'a prise. Et qu'on ne pouvait plus modifier après. Et les conflits d'intérêts. Et ça, j'ai encore eu des entreprises qui faisaient allusion à ça. Je dois faire preuve d'objectivité dans le choix des entreprises. Je ne dois avoir aucun lien qui fasse conflit d'intérêts. Donc l'entreprise n'a pas le droit de me verser des arrhes pour lui avoir envoyé des clients. Et voilà, je ne dois pas privilégier une entreprise parce que c'est mon préféré et qu'il n'y a pas des raisons objectives à choisir cette entreprise. Voilà, c'est les devoirs déontologiques. Et après, je voulais aussi faire un petit rappel de comment choisir son architecte. Prendre celui qui est à côté de sa rue, oui, mais s'il n'est pas en phase avec votre projet. S'il n'a pas de démarche écologique, alors que vous voulez faire un projet écologique, s'il n'a pas de formation en paille et que vous voulez faire un projet paille, ça pourra être bloquant au bout d'un moment. Alors, le prix, oui, mais normalement, de toute façon, on pratique tous à peu près les mêmes prix. Ce qui est très important, c'est le feeling. Ça n'a rien d'objectif, c'est est-ce qu'on se sent bien avec cet architecte? Vous faites un entretien, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que c'est les idées qu'il vous a suggérées, vous les sentez? Les sensibilisations, l'éthique de votre architecte. Vous voulez faire de la paille, mais lui, la paille, c'est un élément, il a des préjugés et des idées préconçues. Évitez de faire appel à cet architecte. Il y a des moyens aussi de voir, c'est en fonction de ce qu'il a déjà fait. Vous pouvez aller voir son portfolio ou son site internet et voir un peu ses sensibilités. Sa formation, quand vous faites de la paille, essayez de faire, alors je prends l'exemple de la paille parce que c'est un exemple qui est le plus flagrant, s'il a une formation pro-paille. Si c'est un architecte qui fait, voilà, est-ce qu'il a eu des formations? Est-ce que, voilà. Et son statut, s'il est assuré. Déjà, vous pouvez vérifier. Si c'est un auto-entrepreneur ou si c'est une personne qui n'est pas assujettie à la TVA, ça a des avantages. Vous ne payez pas de TVA. Ça a aussi des inconvénients. C'est que c'est un statut qui peut sauter à tout moment. Son ancienneté, alors ça peut être justement un choix. Le choix de l'ancienneté qui peut être un choix, mais aussi le choix de se dire, ben, non, moi je voudrais quelqu'un de moderne parce que j'ai envie de sortir des sentiers battus. Donc là, on va prendre plutôt un jeune. Donc suivant ce que vous avez, ces critères-là, il faut les prendre les uns après les autres et voir l'architecte que vous avez rencontré qui semble plus en cohérence avec votre démarche. Et enfin, voilà, donc c'est la dernière diapo. Voilà, je voulais revenir sur la méthode d'accompagnement. Alors c'est vrai que j'ai placé pas mal de fois où je parlais justement de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est quelque chose qui est très particulier. Et nous, chez Inform Ecobat, alors on me dit la méthode, mais si ceux d'Inform Ecobat me disent, mais non, les outils, on a développé pas mal d'outils qui permettent de co-concevoir ensemble. Et en fait, Inform Ecobat, c'est parti d'un constat. C'est que les autoconstructeurs, toute la méthodologie que je vous ai parlé de classique de l'architecte, eh bien, l'autoconstructeur souvent se sent dépossédé de son projet. Il a en fait, alors là, il avec un voilà, parce que je généralise là complètement. Excusez-moi pour ceux qui se sentent pas concernés, je généralise. L'autoconstructeur, souvent, il a envie d'être impliqué dans le projet. Et moi, très souvent, quand je faisais un projet avec la méthode classique en autoconstruction, je me retrouvais en sorte de conflit. Parce que sans arrêt, je faisais des choix ou des décisions pour lui. Et puis lui, il allait tout transformer après, quand il était sur le chantier, en se disant, c'est pas grave, l'architecte fait ce qu'il veut, et puis moi, je fais ce que je veux. C'est hyper frustrant, parce que moi, je n'avais pas l'impression d'être à l'écoute de la personne. Et c'était hyper frustrant, parce que je déteste travailler pour rien. Et du coup, ben, pour impliquer les personnes, on a développé avec un groupe d'architectes en arrière, Isabelle, Thomas et Lounia,
une méthode qui permet de travailler ensemble. C'est-à-dire que toutes les phases de conception, de DCE, de réalisation des détails sont faites ensemble. On travaille ensemble, on passe du temps ensemble, on discute des détails, j'apporte mes conseils en tant que professionnel et dans le mode standard. J'apporte mes conseils aussi pour dire, mais pour vous, est-ce que ça, c'est adapté? Et vous, vous êtes décisionnaire. C'est-à-dire, c'est vous qui prenez les décisions. Et ça change tout. Parce que tous les choix que vous allez faire, ça sera vous qui les ferez. Et ça fait que le projet, normalement, à la phase permis, vous correspond. Bien sûr, on a pour cela des méthodes. Une méthode qui est assez accessible, avec pas mal d'outils qui sont en constante évolution, c'est-à-dire face à un souci, on rajoute des outils et qui nous permettent de vous impliquer dans le projet et vraiment de travailler ensemble. Et ça, la question de la personne que tu posais tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qui se fait facilement à distance. Voilà. Donc, après, je pourrais peut-être expliquer la méthode en temps exact, mais il faudrait pratiquement un conseil de pro entier pour tout expliquer Je ça. profite, Marine, parce qu'il y en a pas mal qui commence à nous dire au revoir, mais du coup, je vous partage quand même les liens parce que je pense que la démarche dont vient de parler Marine, elle va intéresser beaucoup d'entre vous ici. Et avant qu'on passe peut-être à plus de questions et qu'on distribue la parole sur les. Voilà, on va encore rester quelques minutes ensemble. Je vous partage des liens utiles, donc vers le site de Marine, vers le site d'Informécobats. Je vous rappelle aussi les liens sur lesquels seront publiés, donc du coup, la rediffusion de cet échange. Voilà. Et donc, vous êtes plusieurs à poser des questions dans le chat. Alors, tac, tac, tac. Par où commencer? Est-ce que toi, t'avais sélectionné, Marine, des questions en amont sur ces dimensions-là? Ou peut-être qu'on peut déjà commencer à faire circuler la parole? Alors, je voulais arrêter le partage. Ouais, attends. Voilà. Oui. Oui, j'ai sélectionné la question de Pascal. Comment convaincre un architecte et un artisan de suivre un projet d'autoconstruction? Eh bien, je dirais surtout pas. Il faut que la démarche vienne de lui. Pourquoi? Parce que c'est très, très particulier de suivre un accompagnement. Et s'il n'a pas envie de vous impliquer, que ce soit dans la réalisation pour les artisans ou dans la conception, faut pas essayer de le forcer. Parce que vous aurez forcément un moment où il aura sa méthode classique qui reviendra. Donc moi, je dirais, choisissez un artisan qui a envie de faire de l'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'il en a déjà fait, hein. Ça peut être les artisans, mais ils vous le disent tout de suite. Moi, enfin là, j'ai un charpentier, il n'en a jamais fait. Je lui ai proposé de faire l'accompagnement pour moi, une construction en bois pour moi, où justement j'avais envie de me former sur la réalisation de chantier. Eh bien, il m'a dit oui, eh ben, là je sais qu'on va avoir du vrai accompagnement. Mais on propose, mais il ne faut pas le forcer, je ne pense pas. Enfin, de mon point de vue, hein, si je parle en mon nom. Et j'avais la question de Béatrice. Si on réalise de nombreux travaux nous-mêmes, a-t-on obligation de souscrire un dommage d'ouvrage? Ou peut-on demander au charpentier et à l'installation de panneaux solaires leur assurance décennale respective en vérifiant que chaque assurance assure bien les travaux du devis? La question, la réponse est dans la question. Officiellement, il est obligé d'avoir une assurance dommage d'ouvrage. Vous pouvez avoir des assurances décennales et ce qu'il faut surtout, c'est récupérer les assurances décennales de chaque entreprise. Ça, par contre, c'est hyper important. Il faut que vous puissiez, pendant 10 ans, puisse retrouver l'assurance décennale. L'entreprise peut avoir fermé, son assurance décennale est valable. Voilà. Donc, c'est très, très important d'avoir l'assurance décennale et de vérifier chaque assurance décennale. La dommage d'ouvrage, la seule chose que ça fait, c'est qu'ils vont financer vos travaux avant que le tribunal ait statué sur la responsabilité de chacun. Là, j'ai un litige où ils n'ont pas pris l'assurance décennale. C'est la seule fois sur tous les chantiers que j'ai fait depuis 10 ans où ben, la dommage d'ouvrage aurait été pertinente parce qu'on aurait pu faire ces travaux et ils n'auraient pas subi pendant 3 ans les allers et retours du tribunal pour savoir qui était responsable des travaux. Et des assurances qui s'en mêlent et qui accusent tout le monde. Merci Marine. Je te rapporte une question assez spécifique de Cécile.
Et après, encore une fois, je vous donnerai la parole. Si vous pouvez lever la main ou allumer votre caméra, lever la main sur la vidéo, c'est aussi sympa en fait. Ça permettra de distribuer un peu la parole. Et voilà, ce sera un peu plus convivial. Mais juste, je te rapporte la question de Cécile qui souhaitait revenir sur les ABF et qui te demandait si, ils peuvent t'obliger à s'ils peuvent obliger à réaliser certains travaux. Dans leur cas, ils ont fait une demande pour refaire la façade dans l'aide chaud et les ABF leur demandent de réaliser un piquetage pour avoir à nouveau les pierres naturelles. Du coup, c'est deux budgets très différents et donc. Alors, l'architecte des bâtiments de France, on peut avoir des vrais conseils et un vrai travail collaboratif avec lui, comme on peut avoir des architectes qui nous imposent des éléments qui sont surprenants. Ils ont tout pouvoir et peuvent en effet nous imposer des éléments architecturaux, des dimensionnements. C'est vraiment compliqué de ne pas respecter les préconisations de l'architecte des bâtiments de France. Même moi, architecte, là, j'ai eu un projet en plus en accompagnement. Certaines choses sont complètement contraires aux devoirs de thermique, donc ils sont opposables au thermique, c'est-à-dire que les préconisations de l'architecte des bâtiments de France ne me permettent pas de respecter la RE2020. J'ai sorti une attestation, mais il a fallu que je négocie avec le maire pour que le maire puisse contredire pour dire, OK, on suit la préconisation de l'architecte. Parce que, voilà. Donc, oui, en fait, voilà. Là, il m'a fallu aller voir le maire. Et le maire, s'il ne voulait pas jouer le jeu, à ce moment-là, on était obligé de respecter les préconisations de l'architecte des bâtiments de France. Donc, dans ce cas de figure, peut-être aller voir la mairie. Et il faut voir aussi si l'avis de l'ABF est consultatif ou obligatoire. S'il est obligatoire, de toute façon, personne ne pourra s'y opposer. Si c'est consultatif, ça peut être négocié avec le maire. Mais les architectes des bâtiments de France, voilà, ça dépend de la sensibilité de chaque architecte des bâtiments de France. Merci pour ta réponse, Marine. Il y a Julien qui réagissait, je pense, plutôt à ta démarche, mais je ne sais pas si tu veux poser la question à l'oral, Julien, directement. Ce serait peut-être plus complet si tu es avec nous. Donc, je te la rapporte. Donc, Julien donc, disait, en tant qu'autoconstructeur, quel était l'intérêt pour lui de s'initier à un logiciel de dessin si l'architecte missionné pour la conception fournit les dessins? L'architecte partage-t-il les dessins en format numérique? Si oui, y a-t-il un ou plusieurs formats standards? Exemple, ceux pris en charge dans SketchUp. Alors, c'est en tant qu'autoconsulteur, quel intérêt pour moi? Ouais, Julien, si tu veux prendre la parole et Alors, poser une question. ça dépend du contrat. C'est-à-dire que moi, si je suis accompagnante, si je fais l'accompagnement à l'autoconstruction, je ne vais pas faire de dessin. Parce que si je fais du dessin de projet, mon accompagnement pourrait être qualifié en maîtrise d'œuvre. Or, quand je fais l'accompagnement, je n'assure pas en décennale mon accompagnement. Il faut qu'il y ait une prestation d'architecte, donc soit un dépôt de permis, soit que je fais les dessins pour que ce soit requalifié en maîtrise d'œuvre. C'est un peu technique ça. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant de dessiner par soi-même parce que là, vous consacrez du temps au dessin et ce temps, ben, pour moi, c'est du temps gagné. Donc c'est une notion de temps. Après, une personne, moi j'ai pas mal d'accompagnements où les personnes, alors il y en a où parce qu'ils ont été, ils ont un métier où ils ont déjà fait du dessin, on a juste adapté quelques compétences et ça allait. Et il y en a d'autres où ils n'ont pas les compétences de dessin. Dans ce cas-là, ça peut être impertinent de faire appel à un dessinateur ou à un architecte pour réaliser les plans. Moi, si je fais l'accompagnement et qu'il n'y a pas de signature d'architecte, pas être qualifié en maîtrise d'œuvre, à ce moment-là, je fais appel à un dessinateur derrière. Qui va redessiner les plans de projet d'un porteur de projet qui n'aurait pas les compétences pour dessiner et qui ne veut pas perdre de temps là-dessus. C'est une question de savoir où on met son curseau et son niveau de compétence. L'architecte, vous pouvez négocier avec l'architecte qui vous donne les formats numériques. Néanmoins, je porte votre attention sur le fait que modifier un projet, c'est attention, vous modifiez son œuvre, donc vérifiez qu'il est bien d'accord. Et surtout que votre permis modificatif pourra être pris en compte.
Si oui, y a-t-il un ou plusieurs formats standards? En logiciel de dessin ou en transfert, en transmission de documents? Alors, Julien n'a pas de micro, du coup, il ne peut pas préciser Ah, sa d'accord. question. Mais peut-être dans le chat, Julien, si tu peux nous écrire. Et en attendant, avant d'avoir ta réponse, il y avait Sarah qui posait une question sur le terme. Non, pardon. Si, est-ce qu'on pouvait mettre un terme, pardon, à un contrat entre l'architecte si le projet proposé, donc l'esquisse, ne correspond pas à ce qu'on attend? Plutôt la phase amont. Alors, moi j'ai pour éthique de ne pas m'acharner avec quelqu'un qui ne veut pas travailler avec moi parce que c'est des conflits. La clause suspensive, attention aux clauses suspensives. Parce qu'ils peuvent savoir, ils peuvent demander si vous suspendez un projet qui n'a pas de raison de faute de l'architecte. Qui vous reverse une partie des honoraires qui sont contractualisés après, c'est-à-dire des phases qui n'ont pas été réalisées. Donc attention au contrat et aux contractualisations. Je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr de l'architecte ou si vous voulez voir, de faire. Alors vous ne pouvez pas demander des esquisses gratuites parce que c'est enfin voilà. Par contre, vous pouvez négocier une étude préalable avec lui dans un premier temps. Vous voyez si les esquisses vous conviennent. Si les esquisses vous conviennent, bon, bah, vous pouvez, et que la relation se passe bien, vous pouvez continuer avec lui. Si les esquisses ne vous conviennent pas, à ce moment-là, vous pouvez rompre le contrat, mais une étude préalable, ça va être qu'une petite partie des honoraires, et du coup, vous n'aurez pas à payer une partie, un pourcentage, je crois que ça peut s'arrêter à 20%, enfin, ça dépend des contrats, un pourcentage des prestations qui ne seraient pas réalisées. Sinon, il faut faire une rupture à l'amiable, et là, ça dépend de l'architecte en face de lui. Il y avait Voilà. Opi qui posait des questions sur les éventuelles clauses qui doivent ou peuvent être incluses dans un contrat entre un architecte et un autoconstructeur qui s'occupe partiellement de la construction. Donc je pense que ça complète un peu, mais quelles sont les limites pendant le suivi de chantier entre un autoconstructeur et une entreprise? Alors, sur les éventuelles clauses que doivent inclure un Opi, si contrat. tu veux préciser ta question à l'oral, en fait c'est aussi bien. Tu Opi. peux te connecter. Connecter ton micro. Merci pour cette superbe conférence, parfaitement bien expliquée et illustrée. Ça, c'est pour toi, Marie. Gentil, merci Aurore. D'accord. Opi, donc non, si tu n'es pas avec nous. Bon. Alors les clauses, donc ça, il faut bien lire le contrat d'architecte. Quand vous êtes autoconstructeur, moi, je fais une convention d'accompagnement autoconstruction. Et quand Vous je m'entendez? dois être. Ah, pardon. Ah, parfait. Non. Un bugger, j'arrivais pas à allumer le micro. Vas-y, continue. Moi, c'est plus une question. Là, moi, je suis architecte et je dois accompagner une personne qui va être en rénovation d'un bâtiment. Et en fait, cette personne veut faire un peu d'auto-rénovation et en même temps avoir aussi des entreprises qui interviennent sur le chantier. Donc, il y a une sorte de mixité. Sur le chantier, et je me demandais s'il y avait des choses à inclure dans le contrat qui posent une limite un peu entre moi, enfin, je sais pas trop en fait, les garanties qu'il y a entre une personne qui a pas de décennale et une personne qui en a quoi sur les travaux. Alors, tout ce qui est phase avant permis, avant chantier, on peut faire un contrat classique. Ok. Moi, je ne fais pas un contrat classique parce que je fais de l'accompagnement pour justement m'en sortir et pas être qualifié en maîtrise d'œuvre. Mais s'il y a signature et tout ça, ça peut être un contrat classique. Sur la D'accord. phase chantier, dans ce cas-là, il faut suivre que la partie autoconstruction. C'est-à-dire que la partie entreprise, c'est-à-dire que les assurances, il y a une clause suspensive qui permet, enfin en tout cas chez la MAF, Mutuelle des architectes français, il y a une clause suspensive qui fait qu'on n'a pas le droit de suivre un chantier de personnes non assurées, donc les autoconstructeurs. Ils nous demandent de différer dans le temps, c'est-à-dire de faire tout ce qui est en autoconstruction, différer dans le temps de ce qui est fait par les entreprises. C'est absolument impossible. Je l'ai déjà fait, c'est absolument impossible. Ce que je fais, moi, et j'ai suivi une méthode là d'une personne qui fait des formations juridiques, qui est aussi basée à Toulouse.
mais qui fait en... Voilà, c'est que moi, je spécifie dans le contrat les limites de prestation. Et si je ne l'ai pas dans le contrat, dans le CCTP, je mets ce qui est réalisé par maître d'ouvrage et ce qui est réalisé par des entreprises. Même si, par exemple, on a un mur en ossature bois et le maître d'ouvrage fait l'isolant, et après, l'entreprise va faire le bardage et le pare-pluie. Dans ce cas-là, je spécifie dans mon contrat ossature bois réalisée par l'entreprise et je spécifie dans mon contrat isolation réalisée par le maître d'ouvrage. Oui, d'accord, plutôt au Et niveau des après, pièces de... je le remets dans le compte-rendu de chantier au moment où il le réalise pour faire valoir la clause d'immixtion. Et je le remets après dans le PV de réception de chantier. Je fais la liste des travaux qui ont été réalisés par le maître d'ouvrage. Ok. Et là, j'ai eu aucun problème, j'ai eu un litige et tout ce qui a été réalisé par le maître d'ouvrage, j'ai eu aucun souci. Ok, ouais, donc c'est plus au niveau des pièces, genre CCTP, que ça va agir, quoi. Ouais, en fait, il faut surtout qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Le temps passe, du coup, je pense qu'on va juste prendre une dernière question, un témoignage ou une dernière prise de parole, et puis après, on va tranquillement pouvoir se souhaiter une bonne après-midi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole Il y a rapidement? Thierry qui lève le doigt. Ah ouais, bien sûr, vas-y, Thierry. Michel, ouais, on Oui, t'écoute. bonjour. Donc, je voulais savoir si vous êtes intervenu sur la construction de maisons avec du mortier de chanvre et une ossature bois. Mortier de chanvre, ossature bois. Non, je, enfin, maison en ossature bois isolée en béton de chanvre, en fait. Non, oui. Structure bois et donc banchage en mortier de chanvre. Alors, je connais la technique parce que je me suis intéressée d'une entreprise qui fait du béton de chanvre et qui a montré un exemple de mise en œuvre en atelier. Oui. Hors autoconstruction, c'est quelque chose qui est très cher. Donc, réalisé par les entreprises, moi, ils m'ont dit eux-mêmes que jamais ils arrivaient à vendre ça parce que c'est trop onéreux et c'est beaucoup plus cher qu'une prestation classique. Donc, ça se fait beaucoup en autoconstruction. Et non, moi, j'en ai jamais réalisé. Enfin, j'ai pas fait de projet là-dessus. Ça vaudrait le coup de se renseigner là-dessus et puis peut-être de se rapprocher d'une personne qui fait du béton de chanvre. Parce que j'ai suivi une formation donc de mise en place de mortier de chanvre avec le concepteur de Canosmose, je sais pas si vous connaissez, Yves Kuhn. Donc, parce que cette façon de procéder, ça fait plus de 10 ans que je suis ça, plus de 20 ans même, je dirais. Et donc j'ai vu des réalisations et je sais que c'est pas facile pour que la prise par les assurances se passe, hein, puisque le mortier de chanvre n'est pas reconnu comme mortier de ciment, mais dans le temps, ça apporte énormément d'avantages au niveau entretien, hein, puisque donc là il y a des économies à l'appel. Et en plus, avec une seule opération, l'isolation est inclue dans la pratique. C'est-à-dire qu'on gagne du temps en utilisant cette technique-là d'ossature bois et mortier de chanvre en branchage. Donc c'est pas si Ouais. coûteux que ce que l'on pourrait croire. Ouais, je pense qu'on Alors, s'est un petit c'est peu le cas limité particulier, oui. de la. Juste pour les. Comme je réagissais juste à la prise de parole d'avant, sachez que Marine fait partie avec d'autres maîtres d'œuvre et architectes d'un groupe de réflexion en pleine émulation, en pleine. Dont Cédric rappelle le lien là dans le chat. Donc c'est un groupe de maîtres d'œuvre en réflexion. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, si tu veux dire un mot, Marine, parce que je sais que c'est toi et d'autres architectes qui êtes à l'initiative de ce groupe-là. Vu que je vais en parler tout à l'heure dans la Gazette. Alors oui, en effet, c'est la question d'Oki, en plus, elle est totalement en phase avec des ateliers qu'on a fait, des cafés, parce que c'est sous forme de café.
En fait, avec Thomas, Anne et Bernard, on se réunit. Alors, ça, c'est les personnes qui organisent. Et il y a plein d'architectes qui sont inscrits donc sur le forum qu'a mis Cédric. Alors, architecte, maître d'œuvre, décorateur, enfin, tous les métiers qui ont relation avec la conception. Et on invite des gens sur des questionnements qu'on pourrait avoir pour essayer pour nous former et monter en compétences ensemble. Et ça se réalise sous forme de café le quatrième lundi du mois. Et l'idée, c'est de partager nos compétences avec des gens qu'on invite et qui nous donnent une certaine vision de leur point de vue. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger ensemble. Donc, en effet, toutes les personnes qui sont professionnelles de la conception, qui que ce soit, vous êtes tous les bienvenus au café. Je vois qu'il y en a dans cette discussion. En plus, vous avez des sujets sympas, il me semble, de mémoire. Vous parlez de la relation entre artisans et architectes dans un mois, il me semble. De matériaux biosourcés par la suite, ou même de ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement sur les menuiseries. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le forum. C'est le lien qu'a partagé Cédric quand vous remontez le chat. Et sinon, si vous avez raté l'info, si vous le voyez en replay, de toute manière, c'est accessible dans la dernière gazette, où vous pouvez nous solliciter aussi pour qu'on vous donne le lien. Oui. On va aborder, je peux compléter, Ouais, excuse-moi. pardon, vas-y. On va aborder des sujets qui sont très divers, comme la frugalité en architecture, la relation avec les entreprises, en particulier les menuiseries, là, entre autres, des personnes qui vont faire des témoignages d'accompagnement, des personnes qui vont parler de la bobiologie ou d'autres sujets, voilà, c'est vraiment varié, ça dépend de la demande de chacun. Cool. Merci Marine pour cette petite ouverture sur ce groupe qui est super intéressant pour nous. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de dernier scrupule. On va tranquillement pouvoir se dire au revoir. Moi, je permets de rappeler tous les liens donc, pour contacter Marine pour continuer à bénéficier de son expérience, pour lui poser vos questions si d'aventure elle n'aurait pas répondu. Moi, Marine, je tiens à te remercier parce que tu as grandement ouvert cette saison 3. C'était super complet, c'était très qualitatif, ultra pertinent, je pense, pour beaucoup et beaucoup. Heureusement, c'est enregistré, donc n'hésitez pas à faire circuler cette information parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde que ça pourrait intéresser, parmi vos proches. Voilà pour moi, je vous donne les liens, les remerciements qui pleuvent dans le chat. Je vous enverrai bientôt le programme complet en tout cas le programme hivernal des conseils de pro. Encore une fois, c'est 2 fois par mois, un midi, une soirée. Voilà, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, Marine, avant qu'on se souhaite un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Eh bien, je vous remercie pour l'écoute. Je suis ravie. J'avais peur que ça soit un peu fastidieux. Et donc, je vois que les gens sont contents. Donc, ça fait plaisir. Super. Merci Marine. Salut à tout le monde. À bientôt. N'hésitez pas à soutenir le format et on se voit très vite. Ciao! Ciao.